C'est sur une note de satisfaction que le séminaire organisé le 10 décembre dernier par le ministère de l'Économie, celui de la fonction publique en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a pris fin ce 21 décembre 2018 à l'Institut de l'Économie et des Finances. C'est donc après 11 jours de partage d'expériences et de connaissances que le secrétaire général du ministère de l'Économie se réjouit. J'ai l'honneur de procéder cet après-midi à la clôture du cycle de formation sur la déontologie, le contrôle et l'audit de la gestion publique. Formation que nous réalisons en partenariat avec le PNUD, ce dans le cadre du projet PACLE qui appuie la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et l'Agence nationale d'investigation financière. Du rapport qui m'a été fait, je peux dire avec certitude que vous avez acquis au terme de ces 3 semaines des nouvelles connaissances. On m'a bien dit, et le rapporteur vient de le reconfirmer, que les débats étaient vifs, passionnés, enrichissants. Donc c'est pour moi l'occasion de vous féliciter pour votre assiduité, votre participation, votre dynamisme, vos différentes contributions, surtout votre disponibilité malgré vos lourdes responsabilités professionnelles et respectives. Nul ne doute que votre expérience sera un atout supplémentaire pour notre pays. Pour l'heure, je voudrais juste renouveler au programme des Nations Unies pour le développement PNUD les remerciements du gouvernement gabonais pour votre accompagnement constant et multiforme des actions de notre pays. En vous remerciant une fois de plus pour votre assiduité, pour votre participation, pour les efforts fournis, pour le temps passé ici, tout au long de ces 3 semaines, je déclare close les formations sur la déontologie et contrôle l'audit de la gestion publique. De manière spécifique, cet atelier a permis aux participants de connaître les obligations réglementaires et référentielles de contrôle interne et audit, d'adapter une démarche programmatique d'analyse et de maîtrise des risques opérationnels, d'identifier les contrôles clés et procéder à l'évaluation des dispositifs de contrôle interne, mais aussi de se rassurer de l'adaptation du dispositif de contrôle interne avec les objectifs du programme. Cette formation vient aussi mettre fin aux activités de la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable lancée le 27 novembre 2018.